Je vois que là on est en pleine tendresse, hein, comme tout le monde s'en est aperçu, on va donc faire une interview de tendresse. Fabrice, est-ce qu'on vous appelle toujours l'ours? L'ourson, parce que j'ai maigri. L'ourson, parce que j'ai maigri. J'ai maigri, ouais. Vous vous souvenez de votre premier ours en peluche? Oh, pas du tout. C'était il y a deux semaines quand même. Mémoire courte. Hein. Vous vous souvenez pas comment il s'appelait tout ça? Non, rien du tout. Oh non. Non. ça a été dur quand on vous a dit que le Père Noël n'existait pas? Mais moi je me souviens pas de tout ça. Ah ouais? Ouais, j'ai. T'as pris un coup sur la tête. Non, mais c'est vrai, j'ai trop de poumons dans la gueule, c'est pas possible. La mort de la maman de Bambi, vous vous en êtes remis maintenant? Ça va mieux? Vous faites exprès d'avoir des questions comme ça. C'est une interview tendresse, Fabrice. Ah bon? Ouais. Bon, la prochaine. Vous avez déjà pleuré pour une fille? Pour une fille? Ouais. Ou comme une fille? Non, oui, comme une fille pour une fille. Oui, pour ma femme. Ah ouais. Ouais. Mais quand une fille vous quittait, avant tout ça, vous pleuriez pas? Non, non, ça c'est ah, non. D'accord, oui. Et pour un garçon? Non, non, je déconne. Non, c'est une connerie, c'est une plaisanterie. Trop tard, c'est dit. Et le prochain, c'est pas lui finalement. Ouais, non. Comme on est dans l'interview de tendresse, là, vous dites souvent je t'aime à Michel. Ouais. Ah oui, vous êtes tendre. Ouais, mais je dis pas pour rien non plus. Je dis pas comme ça, comme ouais. On dit bonjour. Mais votre maman, vous lui dites aussi? Non. Bien sûr. C'est difficile à sa mère de dire ça, non? Ouais, beaucoup moins, beaucoup. Ça va? Rarement. Ouais. Vous vous souvenez quand vous chantiez? Ah oui. Oui. Eh oui. C'est le moment le plus difficile de l'interview de Fabrice Ciozo. Malheureusement. Pourquoi remettre au lendemain? Pourquoi chercher? Pourquoi remettre au lendemain? Pourquoi chercher dans le passé ou dans l'état? C'est vachement bien, c'est un texte sacré en plus. Ah hein. Oui, non, c'est pas de la rigolade, texte, hein. Ça a l'air d'être du rap comme ça, mais c'est l'évangile. C'était un super selon texte, saint Thomas. Ouais. C'était un super CD, on l'a jamais sorti. Bah ouais. Mais nous, ouais. On l'a, tu vois. Oui, parce que... On se le passe à la maison. Moi aussi. Puisqu'on est dans l'interview de tendresse, vous faites un bisou tous les deux, là. Tu vois? Ouais. Fabrice Ciozo. Et pour être sûr de ne rien rater de Inalardi Tube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.